Bonjour à vous tous et à vous toutes. Voici encore une des nombreuses publicités actuellement sur Facebook. Enfin, il y en a de plus en plus. Donc, on va cliquer sur le lien pour examiner cette pub, si elle est intéressante ou pas. Donc, on va contrôler, bien sûr. Voilà, donc je vais vous montrer en cliquant sur le lien ce que cela donne. Voici donc le site sur lequel on atterrit en cliquant sur la publicité donc sponsorisée par Facebook avec une offre donc sur les trousses à cosmétiques. Donc on peut voir qu'il y a un prix remisé de 23,95 € au lieu de 39,90 €. On va regarder un petit peu en bas de la page. Voilà, donc là vous avez pas mal d'avis qui sont en général toujours pratiquement au maximum. Si on fait des recherches, on peut savoir que ces photos sont piquées, pardon, volées sur Internet. On va prendre une au hasard. Faire une recherche d'image inversée Google. Voilà. Donc là, j'ai pas toute la page, mais elle est en bas ici. La photo, on la retrouve ici. Voilà. Donc cette photo a été prise sur Internet, tout simplement. On la trouve un peu partout. Enfin, on retourne là-dessus. Donc on va faire une autre recherche. Une recherche. Alors là, ils sont ainsi. Enfin, ils ont voulu bloquer. Vous voyez, on ne peut pas faire de recherche sur les photos. Le clic droit ne marche pas. Ils ont bloqué ça. Mais c'est pas grave. Donc, en recherchant donc l'équivalent, on la retrouve ici. Enfin, tous les modèles d'ailleurs. À 6,85 €. Donc, sur n'importe quoi. Bon, je l'ai vu sur Amazon. Là, elle est aussi sur AliExpress. C'est un site chinois. De toute façon, tous les produits que vous trouvez sur ce site viennent directement de Chine, pour info. Voilà, donc faites très très attention, ne vous laissez pas avoir par les nombreuses pubs sur Facebook. Vérifiez bien avant d'acheter, beaucoup beaucoup ont des prix gonflés. Certaines sont même des arnaques. Donc Facebook ne contrôle pas, je l'ai déjà dit, je le redis, ne contrôle pas du tout les pubs qu'elle booste. Du moment que Facebook est payé pour diffuser la publicité, il diffuse. Voilà, donc malheureusement, bah, les victimes, ce sont les utilisateurs de Facebook. Donc faites très très attention à vous. Voilà, merci à vous et à bientôt.